Le mec de sa vie, le mec de toi quand même. Oui, bah un peu, on n'oublie jamais son premier amour. Mais parce qu'elle sait pas ce que je fais de mon côté, c'est pour ça. T'as fait un snap ? Eh bien salut YouTube, c'est Reder, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve devant un centre commercial à Montpellier. Voilà, pour tous ceux qui viennent de Montpellier, ben, vous l'avez sûrement reconnu. Enfin bref, là n'est pas le sujet, le sujet est qu'on va aller interviewer des personnes qui sont dans ce centre commercial pour demander comment se passe leur situation amoureuse, qu'est-ce qu'ils pensent de leur ex-conjoint et tutti quanti, comme on dit ici. C'est pas ici qu'on dit ça? On dit pas ça à Montpellier? Non. En tout cas, moi, je vais vous laisser surkiffer cette vidéo parce qu'elle se surkiffe, mes vidéos. Elle se kiffe pas, elle se surkiffe. N'oubliez pas d'ajouter mes deux réseaux sociaux qui s'affichent juste là. Comme d'habitude, tu m'ajoutes, tu viens me parler parce qu'en plus, bientôt, je vais faire des concours et pour faire gagner des trucs sympathiques. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, c'est important. C'est important parce que vous regardez mes vidéos, mais vous vous abonnez pas et ça sert à rien. Enfin, bref, je vais pas vous faire une intro de 2 heures. Je vous souhaite un bon visionnage. C'était Reder. Ciao. Les amis, juste avant de commencer la vidéo, je vais vous organiser un petit concours pour remporter un iPhone et des AirPods. Mais vous allez me dire, pourquoi un concours comme ça qui tombe du ciel? Eh bien déjà pour commencer parce qu'on arrive en mois de décembre et que dans même pas un mois on est déjà Noël. Mais surtout pour vous remercier d'être 10 000 abonnés déjà sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je me suis permis de faire ce petit concours pour vous faire plaisir parce que vous me régalez. On est déjà 10 000 sur ma chaîne YouTube et ça fait super plaisir et c'est pour vous remercier. Donc pour le concours c'est très simple, ça se passera sur mon compte Instagram. Vous venez sur Instagram, vous vous abonnez à mon compte Instagram, vous m'envoyez un message privé en me disant je veux les AirPods ou je veux le téléphone. Je vous fais gagner du coup des AirPods Pro qui seront à gagner sur le compte Instagram, comme vous le savez maintenant. Mais aussi un iPhone 13. Alors oui, c'est pas le 14, mais on fait avec nos moyens, d'accord? Mais c'est déjà pas mal, je trouve. Un iPhone 13 encore sous blister, du coup, bah, parce qu'il est neuf. Je suis allé l'acheter tout à l'heure à Apple. Il y a encore la facture au fond du sachet. Voilà, sous blister juste là. Enfin bref les amis, je vous invite à aller sur le compte Instagram, vous m'envoyez un message privé, vous me dites je veux le téléphone ou je veux les AirPods, voilà. Et moi je ferai une sélection où je tirerai quelqu'un au sort pour qu'il puisse remporter ce qu'il souhaite avoir. En tout cas moi je vous souhaite un bon visionnage sur la vidéo, c'était Reder, merci encore pour les 10 000, ciao. Bonjour monsieur, excusez-moi, j'aurais une petite question à vous poser, ouais. C'est pour une petite interview comme ça, pour rigoler. Voilà. Alors j'aurais une question un peu par rapport à votre vie amoureuse, votre situation amoureuse. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur votre situation amoureuse? Elle est inexistante. Inexistante, d'accord. Inexistante en ce moment. Putain, inexistante quoi, clairement. Moment, ouais, elle est pas... Elle a rien d'accord. D'accord. Et est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous avez une ex? Oui. Vous avez une ex. Ouais. Et si vous auriez un petit mot à dire à votre ex? Qu'est-ce que vous lui hurlez? T'es qu'une connasse. Ah ouais. Ah ouais. Dirais cash, t'es qu'une connasse quoi. T'es qu'une connasse. Exact. On va rester poulet. En tout cas, je te remercie frérot. Allez. C'est super gentil. Ben, passe une bonne soirée à toi. Merci, bonne soirée à vous. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Allez. Ciao. Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. J'aurais une petite question à vous poser pour une petite interview, un petit truc comme ça. Est-ce que vous êtes ensemble déjà pour commencer? Pas vraiment. Pas encore. Vous êtes en bail. Ouais. On va dire en bail. Oui. Ok d'accord, bon j'ai une petite question à te poser à toi et après ouais. Pourquoi pas par la suite à toi. J'aimerais un petit peu, en quelques mots, que tu me décrives ta situation amoureuse. Tes expériences de la vie et okay. Tout ça. Bah j'étais en couple avec un mec pendant très longtemps genre. Pour moi c'était le mec de ma vie et tout. Le mec de sa vie. Le mec de toi quand même. Oui, non. Le mec de sa vie. Non mais c'est mon ex en vrai. Donc c'est bon, genre c'est fini. Ok. Mais voilà, genre pendant très longtemps et. Bah, est-ce que aujourd'hui, on va dire que t'es en bail, ouais. Tu éprouves des sentiments encore pour ce garçon? Bah en vrai on n'oublie jamais son premier amour, mais non. Mais c'est vrai, on va pas se mentir, le premier amour on sait qu'on c'est l'oublie vrai. Pas. Le premier amour on mais l'oublie après, pas. Elle a le droit de pas l'oublier. Voilà, mais ça veut après, rien dire. Après tu mais lui peux passer à autre chose. Tu es plus en contact avec lui. Ah. Bah. Sérieux? Du coup ouais, après t'as pas lui en vouloir après hein. Parce que, on s'envoie des messages de temps en temps. Mais tu, de temps en temps, tu continues à lui envoyer des messages alors que tu es en bail. Juste savoir si on. Ça fait combien de temps que tu es en bail avec lui? 5 mois. 5 mois, vous êtes en bail? Ouais. Et elle a encore contact avec son ex? Mais oui, mon ex, ça fait 5 ans. Moi, je pense que. C'est pas une raison. Moi, je pense que tu devrais appeler ton ex maintenant et lui dire que t'as encore des sentiments pour lui. Si tu fais ça, nous deux, c'est foutu. Hein. Et encore, tu restes calme. Je te dis honnêtement, tu restes calme parce que moi. Tranquille. Mais après, il va vouloir qu'on se remette ensemble si je fais ça. Ah donc au fond de toi, tu es quand même bien avec lui. Bah oui. Bon ça va, alors ça reste mignon. Après moi je suis pas là pour briser des couples hein, franchement, bah oui. Ou des bails couples. Parce qu'elle sait pas ce que je fais de mon côté, c'est pour ça. Oh.
Ah, moi je suis pas là pour dissocier des couples, hein, je vous dis la vérité. Okay. Bah écoutez, en tout cas ça fait super plaisir de parler avec vous. Ouais. Voilà. Et puis, on va repartir chacun de notre côté, je crois. Voilà, chacun de votre côté. Non, en vrai, restez fidèles. Moi, je suis sûr, elle dit ça juste pour te faire un peu bégayer, mais non. Elle a attaché à toi. Je m'occuperai d'elle. Tu t'occuperas d'elle ? Allez, tu t'occuperas d'elle. Voilà. Allez, personne suivante, ciao ! Et bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, marocain. Ah, bébé, si, hein. Je cite. Oh, on a gagné. Je cite, ça fait plaisir. J'aurai quelques petites questions à vous poser. Oui. Alors, déjà, j'aimerais un peu résumer votre situation amoureuse actuellement. Bah alors là, en étant complètement célibataire, ouais. Je recherche la femme de ma vie. C'est pas un date là ? Et voilà, si c'est un date, bien sûr, on peut ah, le dire. Ah, c'est un date, hein. Mais vous êtes même pas en face pour le date. On peut le mentionner. Vous êtes... vous êtes clairement pas en face pour le date. Ils sont en diagonale, tu sais, comme ça. Voilà. Et du coup, moi j'aurais juste une petite question comme ça. Oui. Devant ton date, si tu devais dire quelque chose de ton ex, tu dirais quoi ? Bah alors moi du coup j'ai pas du tout d'ex. T'as pas d'ex ? Voilà, non, j'ai que des flirts, voilà. Que des flirts qui aboutissent à rien, quoi. C'est ça exactement. Ça fait chier quand voilà. même. Voilà. Ça fait chier. Ben peut-être que celui de ce soir aboutira à quelque chose. C'est ça, on croise les doigts et on dit Inch'Allah. On croise les doigts. Et comment ça va se passer du coup ? Bah je sais pas. Est-ce que ce flirt va avancer ? Il m'a forcé. Il te force oh, tu la forces ? Non, même pas. Il te force ? Non. Ah, ça va alors, ça va. Bon, en tout cas, je vous remercie, c'est super cool. Voilà. Merci à vous. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et puis force pour votre date, c'est bon ? Merci bien. Allez, nickel. Merci, ciao. Salut frérot. Salut, enchanté, toi. Comment tu t'appelles ? Enchanté, Lucas. D'accord, moi c'est Reder, enchanté. J'aurais une petite question. Comment tu décrirais ta situation amoureuse ? D'ailleurs, on précise, la copine est juste à côté, elle voulait pas être filmée. Exactement. Non, mais franchement, très très bien. Très très bien. Ouais, très très bien. Ça se passe super bien. Impeccable. Donc, ça veut dire que, imaginons demain, une ex à toi revienne, tu la prends pas. Ah, pas du tout. Tu dis pas ça parce qu'elle est à côté ? Ah, non, mais franchement, non, puis elle le sait, mais j'en ai qu'une. Alors, Ah, ça fait super plaisir en tout cas. Et puis, comme elle est à côté, elle va pouvoir l'entendre aussi. Ouais. Si en quelques mots, mais vraiment en quelques mots, tu aurais un truc à dire sur ton ex, tu dirais quoi ? Sur mon ex ? Ouais. Un truc à dire. Bah, après, elle a jamais. Enfin. C'était un accord commun, donc en soi j'ai rien de spécial à dire. T'as rien de spécial à dire, non. Même pas un petit mot. Même pas, et puis après c'était pas long, donc voilà quoi. C'était pas long. Non. Bon ben ça va là. Il reste, on sait jamais, faut pas dire de conneries. Hein. En tout cas frérot, je te remercie, c'est super gentil. Merci à vous. Je te souhaite de passer une très très bonne soirée. À vous aussi. Et à la prochaine. Et bien salut, on est en compagnie du... YN, qui est un artiste, tu m'as dit ? Artiste de Montpellier. Artiste, exactement. Tu fais quoi ? Dis-nous un peu ta du rap. Du rap. Je peux rap, je fais un peu marche. De chant, tout ça. Ouais, et tout, tiens, si tu veux placer ta pub, vas-y, c'est le moment. Voilà, donc mes réseaux, c'est... Je m'appelle YN. Regardez sur les réseaux, il y a un projet qui arrive bientôt. Ça pète. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Ben, n'hésitez pas à aller regarder en tout cas. Frérot, j'aurais une petite question à te poser. Si tu devrais résumer ta situation amoureuse en quelques mots, tu dirais quoi ? Regarde, l'amour, c'est un peu trop bizarre en ce moment, tu vois. C'est un peu compliqué parce que les femmes ont tendance à souvent jouer de nos cœurs. Et nous, on n'aime pas ça. On ne veut plus. Ouais, on ne veut plus. C'est bad là. C'est vrai ça. Vous jouez trop avec nous. Ah non, non, là, on est bien. Non, on fait les cadeaux. On vous emmène dans les magasins. On vous fait les trucs. Et vous, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Frérot, je suis entièrement d'accord avec toi. Faut rester célibataire à vie. Exactement. Voilà, c'est ça ? Bon, peut-être pas à vie, c'est long pas la vie. Pas à vie parce que c'est faut quand même pouvoir se vider souvent. Comment ça, mon ref ? Mais sinon, ça va. Sinon, ça va. Et est-ce que tu as une ex ? Oui. Tu as une ex, oui. Que tu as aimé ou pas ? Trop même. Trop, beaucoup trop. Beaucoup trop sur... Par rapport à ce qu'elle te méritait. 5 ans. Et ben, si t'aurais quelques mots à dire à cet ex, qu'est-ce que tu lui dirais ? Ok, vive bien. Par contre, moi, je souhaite du bien aux gens. Et d'accord, faire bien, sa vie, tout c'est ça. C'est beau. C'est super beau. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à ajouter le frérot sur ses réseaux. Voilà, YN, je m'appelle YN sur tous les réseaux. Ça pète, YouTube, YN, il y a Ensemble qui est disponible. C'est ça parti. Pète. Fais-moi un petit swipe là, fais-moi un petit comme ça là. Enchanté. Moi, c'est Reder, vous c'est ? Milena. Estella, d'accord. Milena, Estella, est-ce que vous avez un petit copain ? Non. Vous n'avez pas de petit copain, d'accord. Moi, j'ai très. Comment vous décririez votre situation amoureuse ? C'est-à-dire, comment ça se passe en ce moment, niveau amour et tout ? Inexistante. Chaotique. Est-ce que vous cherchez l'amour ? Non. Potentiellement. 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 Ça veut dire qu'il y en a peut-être une des deux là qui va lâcher l'autre pour aller voir un mec ? Non. Si jamais ça vient à l'évidence. Non, bah, j'étais un bop. Ne jamais dire non. Hein. Surtout que moi, j'ai fait l'erreur et plus jamais. D'accord. J'ai une dernière petite question pour vous. Mais c'est vraiment the question quoi. J'imagine que vous avez toutes les deux un ex. Oui.
Oui, arrête de mentir. Non. Non, arrête de mentir. J'en ai un. Elle a un ex. Non, non. Toi, t'as un ex. Oui. T'as quoi de sentiment pour ton ex? Non. Sentiment? Ah non. Ça fait combien de temps que t'es plus avec lui? 4 ans. 4 ans. Mmh. Ok. Et ben, si t'aurais un petit mot à dire pour ton ex, qu'est-ce que tu lui dirais? Bonne continuation, fais ta vie. C'est beau, pas d'insultes, mais on vit dans le monde des bisounours ici, malgré que la France soit en crise. Bon, en tout cas, je vous remercie pour cette super interview. Voilà. Ça marche. Je vous laisse passer une excellente soirée. Okay, et puis moi, je vous dis ciao. Eh bien, bonsoir, jeune demoiselle aux cheveux lisses. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, tranquille. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Solène. Solène, enchantée, moi c'est Reder. J'aurais quelques petites questions à te poser. Est-ce que tu es prête à entendre ces petites questions? Vas-y, dis-moi. Pourrais-tu nous décrire ta situation amoureuse? Bah, je suis en couple. T'es en couple. Tu es amoureuse à 200%? C'est ça. Ça veut dire que jamais tu le tromperas? Non, jamais. Promis juré? Promis juré. Ok, d'accord. J'ai une autre petite question. Mm-hmm. Si tu aurais un, deux ou allez, trois mots à dire à ton ex, tu lui dirais quoi? Vraiment, j'aurais rien du tout à lui dire. Rien à lui dire? Rien à lui dire. Pourquoi? C'était un enfoiré? Ouais, et puis... En tout cas, je te remercie d'avoir participé à cette super interview. Merci. Qui sera postée sur YouTube Reder. Vous lâchez le pouce bleu. Vous n'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager. Évidemment, ça fait plaisir. On va atteindre les 100 000 abonnés petit à petit. On va grimper comme ça. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir participé. Et puis, je te souhaite une très très bonne soirée. Bah, vous aussi. Let's go, les gars. Elle est ensemble. Excusez-moi, bonjour madame, ça vous dit de participer à une petite interview avec moi? Ah ouais, musique à fond quoi, carrément. Hein, ça y est, ça fait trop là. C'est pour participer à une petite interview, est-ce que ça vous tente? C'est à propos de quoi? C'est, bah, faut, on verra les questions que j'ai à vous poser. Vas-y. Alors c'est très simple déjà. J'ai une petite question. Comment vous décrirez votre vie amoureuse? Est-ce que vous êtes en couple, célibataire? Quel âge avez-vous? Votre prénom? A few moments later. Nom de famille, l'adresse, pardon. Numéro de téléphone? Ah ouais, carrément quoi. Non, en vrai, plus sincèrement. Non, je suis célibataire. Vous êtes célibataire? Vous êtes une très jolie fille. Vous êtes célibataire, vous êtes très jolie comme fille. Donc on va boire un verre quand en fait là? Non, plus sincèrement, ça fait combien de temps que vous êtes célibataire? 8 mois. Est-ce que vous avez encore des sentiments pour votre ex? Non. Non, vous n'avez plus de sentiments pour votre ex. Donc ça veut dire que si demain, imaginons, vous rencontrez un garçon dans la rue ou sur des réseaux sociaux par exemple, on ne sait pas hein. Eh ben, est-ce que vous allez être sincère et honnête avec lui sans penser à votre ex? Ouais, bien sûr. Oui, c'est sûr et certain. Ça veut dire que même, imaginons que le mec se déplace, il habite dans une ville ou dans une autre ville. Vous voyez, il fait tous les kilomètres pour vous, vous allez être sincère avec lui. Bah oui, je suis quelqu'un d'honnête. Oui. Le karma. C'est beau, on pense au karma. Et si vous aurez quelques mots à dire pour votre ex, vous direz quoi? Bonne continuation, parce que clairement, on vous en foutait. Ouais. Eh ben écoutez, c'est bien, c'est super. Moi je vais vous laisser passer une excellente soirée. Mais quoi? T'as pas un snap? Ah carrément, donne mon snap comme ça. Eh ben moi tu sais quoi? Je te donne mon snap mais je vais me buster la joue. Et merci, ça fait plaisir. En tout cas, est-ce que tu es ok pour faire le petit au revoir comme ça? Ouais. À la caméra? C'est bon? Non. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça, c'est comme ça.